Rivières, and I'm a literary character. It means I was born in a novel. And I'm also a writer. It happens sometimes one can be a literary character who is also a writer. My mom has Huntington's disease, and I've got Huntington's disease too. Actually carry the genetic mutation, which means that I will develop the disease within a few years. But first, I will tell you a few words about Huntington's disease, otherwise you won't get anything I'm talking about. So, it's a rare disease, touching 8 for 100,000 persons. It begins in middle life. The onset starts statistically between 30 and 55 years old. It's a neuroevolutive disease. We prefer this term than neurodegenerative. With three families of symptoms. First, cognitive, progressing inability to focus, to plan, to recall or make decisions. With an impaired insight, but not a lot of memory loss. Second family is motor and physical, with involuntary movements, chorea, which has given its name to the disease for a long time, diminished coordination and balance, difficulty walking, talking, swallowing, weight loss because of metabolism issues, and third, psychological and behavioral troubles, such as depression, anxiety, apathy, irritability, obsessive behavior, and mood disorder. There are significant variations in symptoms, and not every person will have all the symptoms in the same degree. In advanced stages, people lose their autonomy and need a lot of care. There is no cure for now, but research is working hard to find it. People don't die directly from Huntington's, but from complications such as choking, heart failure, infection or aspiration pneumonia, head injuries because of the falls, and suicides. Huntington's is a genetic disease, an autosomal dominant disease, which means that if one of your parents is affected, you've got a 50-50 chance of contracting it too, making you an at-risk person. Since the genetic mutation was identified and localized in 1993, there is a biomarker, and it is possible to pass a predictive test for at-risk persons. Technically, nothing could be simpler. You just take a blood test to find out if you have the bad version of the gene or not. But philosophically, ethically, psychologically, and existentially, nothing could be more difficult. For Huntington's is a completely penetrant monogenetic condition. Knowing you carry the abnormal gene means knowing with absolute certainty that one day you will develop the disease, yet not knowing whether that will be in 3, 5, 10, or maybe if you're lucky, 20 years. So, I'm a novel character. My author usually gives several explanations about why she had to create me, her character. She had to protect her family name, and especially the children who are still at risk in her family. She had to protect herself from a suspicious social system, and so on. And all of this is true. But I think there was more to why she had to create me. Not so much for negative reasons, but for a positive one, in order to gain imagination. If you pass a genetic test, and are diagnosed positive for Huntington's in your early 30s, like my author back then. Why is imagination so important? I mean, HD for Huntington's disease is a real disease with real genes, real sick persons who need real cure. So what could the
importance of imagination be in such an all-too-real reality? Whether you look on internet or at movies, documentaries, and literature about HD, you are still confronted today with tons of nightmares and despairing tragedies telling you that HD is the worst disease the man has never known, you know, as if there was an international contest of diseases happening somewhere, or that HD is a genetic death sentence. This is from a true documentary about HD. So everybody is frightened. The HD families are afraid, and the doctors are afraid too. Of course, the doctors would rarely admit it, but they are human beings, and if HD is a death sentence, if HD is the official worst nightmare in the world, they can't be anything but powerless and scared as the rest of us. In Huntington Land is the name of the country I'm coming from, so in Huntington Land, there is a proverb saying, exactly as when we walk at night in a forest, our fear is nourished by imagination. And exactly as when we walk at night in a forest, our confidence is nourished by imagination. My other problem is to live well with the disease now and for the years to come. With HD, not against HD. Because she can't avoid it. It is part of her no matter what. It is not only a medical problem, it is an existential one. So she sent me a message. She said, good morning, Miss Alice Rivières. Your mission, should you choose to accept it, you have to, you know, imagine the Mission Impossible music, is to make my HD worse while living. This message will say frozen. I won't perform this last one for security reasons. I answered, thank you very much, but it won't be a piece of cake. So I need the smartest equipment, a crew, and a spaceship to explore Huntington Land. Here we are from far, far away. Hello, my friend. Hi, Dr. Emna. Crossed all Mediterranean Sea from Africa. Hi, Dr. Andre, from Asia, extreme east, flew here to explore to the forum. Yeah. To explore what? The Huntington Land. Well, welcome, my friends. Thanks. I was explaining that with one of her best friends, Valérie Pillet, my author gathered a team called Ding Dang Dong. Yeah. Ding Dang Dong, the sound of a ringing bell, was created to search how to live well with HD, to fabricate a kind of HD's lifeology. Ding Dang Dong. What is that? Lifeology? Complicated? No. No, it's not complicated. Listen. Ding Dang Dong aims at producing, together with sick persons considered as co-searchers, a specific kind of knowledge. How do the persons with HD experience their disease? How do they feel? What saddens them and what makes them happy? This does not imply medical tools, because such a HD's lifeology is not composed of symptoms, but of... Oh, feelings? Mm-hmm. Emotions, mm-hmm. Sensations, yeah. Thoughts, vision, intuition, stories, moments, dance, objects, manners, ideas, flows of ideas, and humor, oceans of humor. Right. The Nandong's team consists of philosophers, historians, writers, painters, dancers and choreographers, filmmakers and even a neurologist. And me, Alice, I spend my time as Ding Dang Dong's special agent, exploring Huntington Land where I can learn some things interesting for our lifeology. How does it feel inside
Huntington disease? Well, it's very, very difficult to say now. To really figure out what people with HD actually feel. We need at least to be Arthur Rimbaud, for that. Oh, this is me exploring the internet. So, it's probably what's happening when you have HD, a progressive derangement of all your senses, a kind of metamorphosis, actually. What if HD was a metamorphosis without a cocoon? A cocoon? Yeah. Imagine for a minute a caterpillar having to go through its metamorphosis without a cocoon. Everyone would be disgusted, no matter whether in the end there was a butterfly, because you know what happens before a caterpillar becomes a butterfly? She becomes mush, a concrete mess of herself. Without a cocoon to shield her, everyone would be horrified by this spectacle. It would be even worse for the caterpillar, feeling herself turning to mush without the protection of her cocoon. It would be enough to make you aggressive, crazy, suicidal, and even homicidal. The scandal of our condition is that many of us have to go through that process without a cocoon. I think it is something that you guys must keep in mind from the moment of the diagnosis. Precisely. What about the diagnosis? From the place where I come from? Africa? Breaking bad news is obviously a death sentence. Oh yeah. Breaking bad news, like telling a patient he has diabetes. Or HIV. It looks common, but it's such a terrible sentence to tell a patient. Well, Alice, how is it with your doctor? Well, his name is Dr. Marleuf. And at the beginning, it was complicated for both of us. But he's progressing. Look, he has sent us a little message. Bonjour, je suis le docteur Olivier Marbeuf. Nous sommes aujourd'hui en mars 2016, c'est-à-dire 2 ans après la création de l'unité expérimentale Alice Rivières que j'ai développée avec mon équipe autour de la maladie de Huntington. Si je souhaite intervenir aujourd'hui, c'est pour revenir sur l'événement fondateur de cette unité qui est ma rencontre avec la patiente Alice Rivières, qui à l'époque avait très mal vécu l'annonce de mon diagnostic, et elle avait fait savoir. Par la suite, elle avait également rencontré sa sœur, qui elle m'avait littéralement interpellé. Elle m'avait dit « Mais dites que vous ne savez pas. Osez dire que vous ne savez pas. » Et je veux dire que, à l'époque, je n'avais pas compris. Si je reviens aujourd'hui sur cet épisode particulier, c'est que j'ai reçu, il y a une semaine de cela, une lettre importante, d'une Madame Christelle, une personne que je ne connaissais pas. Je souhaite partager cette lettre avec vous et les propositions qu'elle contient. Cher docteur, contrairement à une idée répandue selon laquelle le travail d'une voyante consisterait à prostituer sa parole dans le sens des désirs de ses clients, j'ai dû annoncer en 28 années d'exercice de nombreuses mauvaises nouvelles. C'est à ce titre et à ce titre seulement que je m'autorise à vous écrire aujourd'hui. Car la parole qui sort de ma bouche quand elle vient à contredire les espoirs de ceux qui me consultent résonne pour eux comme une malédiction. Rien de bien différent que ce verdict qui sort de la vôtre et fait basculer leur existence dans un avenir impensé et impensable lorsqu'ils apprennent qu'ils sont atteints de la maladie de Huntington. Qu'ils se dérobent, m'agressent ou vous agressent, enragent ou s'effondrent, mes clients comme vos patients doivent repartir avec une perspective de vie future irrémédiablement transformée par les mots qu'ils auront entendus.
En cela, mon travail ressemble au vôtre. Je devine que l'idée vous déplaît. Je vais devoir être plus précise. Non, je n'annonce jamais aucun trouble moteur, cognitif ou psychiatrique à venir, de ceux que vous devez décrire à vos patients, en leur expliquant qu'ils surgiront les uns après les autres, s'aggraveront toujours davantage pour les priver un jour de leur autonomie. Mais je dois révéler que leurs projets les plus chers ne sont pas des plans à bâtir, mais des chimères à brûler. Ce que je leur dis à ce moment-là est totalement insupportable, car l'existence présente est indissociable de ce futur fantasmé. Ils n'ont à ce moment-là absolument aucune autre ressource pour se projeter dans un devenir. J'ajouterai que mon travail est semblable au vôtre à cause de la place que nous occupons devant eux, lorsque nous devons confirmer ce qu'ils redoutent. C'est celle d'être préservés personnellement du séisme, tout en étant des spectateurs assis au premier rang de leur débâcle. Comment peuvent-ils s'arranger de la violence de notre distance émotionnelle, conjuguée avec notre intimité? Comment peuvent-ils nous percevoir autrement que même l'espace d'un instant comme des bourreaux? Car qui d'autre qu'un torsionnaire se trouve ainsi au centre d'un triangle dont les points sont la proximité, la douleur infligée et la distance affective? Vous me répondrez que nous ne sommes pas des bourreaux, car nous ne voulons pas leur infliger de souffrance et encore moins l'utiliser à des fins quelconques. Mais ne sommes-nous pas les témoins de ces ravages? Ne nous les voyons pas, voyons-nous pas se répandre en eux, alors que nous ne sommes que de parfaits étrangers? Alors c'est vrai que ce rapprochement que fait Madame Christen avec l'idée du bourreau m'a littéralement ébranlé quand j'ai lu ce texte. Je ne dis pas que j'ai toujours pensé ma pratique dans une absolue neutralité bienveillante, mais j'avais jamais imaginé les choses selon ce point de vue. Je vais continuer cette lettre. Hein. Enfin, nos métiers se ressemblent, car vos patients et mes clients savent, avant de nous consulter, que quelque chose peut-être ne va pas. Mais ils n'en sont pas sûrs. Pas encore. Ils se croient alors prêts pour l'oracle ou l'analyse biologique. Mais ils ne le sont pas et ils ne le seront jamais. Parce que personne n'est prêt pour cela au moment où ils le demandent. À ce stade, vous allez m'objecter que votre respect de la science vous oblige à être honnête, que la vérité prime sur le désir, qu'il est de votre devoir, etc. Mais êtes-vous sûr de ne pas confondre la vérité que vous fantasmez, toute pure, ou encore la destinée, avec ce qui n'est que le résultat d'une procédure? Vos pratiques comme les miennes interrogent le futur et interprètent des données à travers des marqueurs divers. Vous questionnez, interprétez des échantillons, comme je le fais moi-même. Vos supports sont du sang, des sécrétions. Les miens sont des initiales, des images, des cartes, des photos. Mensi ou examen biologique des livres, des verdicts. Je dois dire ici que Mme Christine est voyante. Je reprends. Mensi ou examen biologique des livres, des verdicts. Mais n'avez-vous pas oublié que seul votre patient ou mon client feront de ce verdict une destinée? Qu'ils ne sont en rien réductibles à la mauvaise nouvelle qui les accable. Docteur, nous sommes, vous et moi, propriétaires d'un diagnostic. C'est tout. C'est déjà beaucoup. Mais jamais de ce qu'ils tricoteront avec leur mauvaise nouvelle. Jamais de ce que sera leur vie après l'annonce, ni du sens ou du non-sens que tout ceci aura pour eux. Alors inutile de les convaincre que tout est foutu, que ce qui est foutu, c'est peut-être, ou probablement, je vous l'accorde, une vie valide qui ne va pas durer. Mais ce n'est ni l'homme, ni la femme que vous avez devant vous, et dont vous ne savez rien. Il y a tant d'autres choses
dont vous ne savez rien au fond. Là, je dois avouer que, quand, en lisant la première fois cette lettre, je me suis dit qu'elle avait probablement vu ma première capsule et que cette lettre était en quelque sorte une réponse. Rien de ce que la science découvrira demain et qui les sauvera, mais rien non plus de cette marche coupée dans l'escalier qui, la semaine prochaine, leur brisera le cou avant que la maladie ne les détruise. Vous ne savez rien au fond du pouvoir hautement révolutionnaire des catastrophes. Vous ne savez rien au fond du pouvoir hautement révolutionnaire des catastrophes. Il y a 25 ans, j'ai connu un homme qui venait d'apprendre que le sida ne lui laisserait que 5 années à vivre. Il quitta sa femme, vécut en couple avec l'homme qu'il aimait, abandonna son travail pour jouer du piano. Il vit encore aujourd'hui et enseigne la musique depuis 10 ans. Ce que vous savez de vos patients, c'est qu'ils seront très probablement malades, très malades. Et pourquoi ne pas leur rappeler que vous ne savez pas de quoi les patients non atteints de la maladie vont mourir? Que ne pas être atteint aujourd'hui de la maladie n'est pas une personne demain d'une maladie de Charcot, ni non plus de la rencontre avec un poids lourd rempli de gasoil qui grillera le stop au mauvais moment. Pourquoi ne pas leur dire aussi que la perte de mémoire, d'équilibre, de force, que l'abominable incontinence font partie de la vie des êtres humains et que la grande majorité des vies, la vôtre et la mienne incluse, risquent de se terminer assez mal. Que s'il vous appartient de leur annoncer qu'ils vont traverser tout cela, ne reste qu'une hypothèse. Et qu'ici, ils devaient passer par cette épreuve, ils pourraient aussi, ils pourront aussi en faire quelque chose qui ne vous regarde pas. Quelque chose sur lequel vous n'aurez aucun contrôle et qui commence aujourd'hui après vous. Docteur, je terminerai ma lettre en vous disant qu'annoncer une très mauvaise nouvelle ne doit jamais correspondre à tracer une ligne blanche entre le monde des damnés, porteurs de la maladie, et celui des élus qui en seraient exempts. Car l'enfer et le paradis sont dans cette vie des lieux réversibles et mouvants, par lesquels nous nous transformons perpétuellement, passant de l'un à l'autre au gré des liens que nous tissons, des deuils que nous réalisons, des libertés que nous gagnons. Elle termine avec ces mots: seul le mouvement est éternel. Voilà. Alors je dois dire que j'ai été étonné de recevoir cette lettre et même troublé. Je l'ai relu à plusieurs reprises, et là encore, en vous la lisant aujourd'hui, elle me touche profondément. D'une certaine mesure, cette lettre, c'est une lettre qui offre des propositions. Et au début, je n'étais pas sûr d'être capable de les recevoir. Aujourd'hui, j'ai envie, avec mon équipe, d'aller plus loin, d'élargir peut-être, d'élargir sûrement la communauté de ceux qui vont travailler avec nous autour de la maladie d'Huntington. Évidemment, je n'en ai pas encore parlé, pour être tout à fait sincère, avec mon équipe, et encore moins avec mes collègues. Imaginez-vous que cela puisse poser un certain nombre de problèmes de leur apprendre que nous allions partager notre terrain de recherche et d'interrogation avec, je ne sais pas, le savoir d'une voyante. Mettre sur le même plan l'oracle et l'analyse biologique n'est pas sans risque, vous pouvez l'imaginer tout à fait. Mais je pense qu'il y a une nécessité à penser avec ce savoir qui jusqu'à présent a été largement disqualifié dans la profession qui est la mienne, et ce savoir qui, de ce fait, comporte une certaine forme de risque. Et ces années nous ont conduits sur des terrains tout à fait passionnants, relativement inattendus, et la lettre de Madame Christine, en quelque sorte, nous propose d'aller plus loin. J'espère pouvoir revenir vers vous bientôt
Pour prolonger avec vous cette réflexion et partager les conséquences de ce nouvel épisode, en quelque sorte, je dirais, de notre aventure commune. Merci. The guy is really searching, right? Still, Alice, how can we help those who received our diagnosis? How could we help them? Sometimes I feel powerless. I feel speechless and even helpless. We don't know what to do. Well, of course not. Remember the story of the caterpillar turning into a butterfly without a cuckoo? We need a lot of care during our transformation. You already have the power. Tell me how we could make a real cocoon. I mean, one that would protect our upcoming metamorphosis. Oh, your cocoon thing already exists. It's called care. Oh, care. Yeah, you know that in French, we don't have any word for care. For all the things that come, that don't come in the cure, properly speaking, such as kindness, attention, love, too. Mm-hmm. Well, care is all that, you're right, but not only. All sorts of counselors, of speaking, swallowing, breathing. Physical therapists, nutritionists, sexologists, sport coaches are also taking care. Yeah, well. Indeed, we have many desires to achieve, so yes, but in this cocoon, what we need above all, I'm going to tell you, is to be able to move. We need the freedom of movement. Everyone has to get moving, not only the HD person, everyone around them, everyone connected with them. Close or not, everyone is forced to get moving. There should be a word for this care cocoon. Wait a minute, I think I've got it. Cocoon care. That was it. such cocoon care has the power to turn a death sentence into a worthwhile life. Professionals can be the creators of this cocoon care together with patients and families. Cocoon care, not bad. You mean... Diabetic patients seeing the ophthalmologist for annual check? Maybe more than that. Oh, checking his feet. Well, yes, but go further, but closer to the person. Listening to them? To what they really want or need? Closer, almost there. Oh, teaching them how to cook. And initiate them into making sport. Okay, a cocoon care capable of protecting our ongoing metamorphosis and even of anticipating it, escorting it, dancing with it. Dancing with it. Energy that can really dance, the flowering of our metamorphosis, an endless ballet. When I announce them this bad news, it's only telling them news, a diagnosis or a label. I realize that I need to escort her, him, during all his mutation. This ballet needs to be done by both of us.
So we are powerful and helpful. Exactly. So our role is essential to walk along with them during the process. Exactly, thank you, Emna. Since Huntington's is a mutation, what if people like me were considered as mutants, actually? And this hypothesis is actually works in a very, very big lab in Milan. It means that we can maybe see something else than illnesses and handicaps if we change our idea on diseases such as Huntington's. We can see persons who become different and who suffer mostly because of the extraordinary difficulty of the world to adapt to them and to learn from them. And this switch is already happening. This last autumn, there was a big article about Ding Dang Dong in Le Monde, telling about how we patients with HD can be the experts of our own lifeology. When my author was alone, it was super difficult for her to see her mom, who is very ill, and other people with HD because she was still wearing fear glasses. It took a lot of time to gradually switch visions, to fabricate and then to put on fearless glasses. She needed translators who helped her understand the strangeness of HD, as she was gaining some keys to understand not only her mom, but also the other Huntingtonian folks, including herself. Huntingtonland was not disgusting anymore. Huntingtonland became interesting. I think it should be the same with other chronic diseases, like we said before. Announcing and taking care after and all along. This trip into Huntington Land is just making me realize all the care we need to give our patients, how our words can impact somebody's life. So we have to take care. Alice? To finish, I just want to tell something to those who, in this room, will maybe meet somebody with Huntington's disease in your personal or professional life. I want you to tell her or him, you have time to create your own version of Huntington's and your own version of your cocoon care. They are unique. This creation is a work of art. Even if you're not an artist, you will have to become a little bit of an artist to live well your HD. And this quality will also touch those who take care of you, non-professional and professional. And I'll tell you a hint. The first step to be an artist is to disobey to any fatality imposed on you. Thank you very much.